أمة لا يعرف الضعف والخبر طريقا إلى قلبها إلى قلبها النابض وهو فلسطين. Dernières informations, soirée spéciale Armada, et d'après les renseignements assez confus qui nous parviennent de différents pays, il semble que l'on assiste en ce moment à la formation d'autres flottes de migrants. À Freetown, notamment capitale de la Sierra Leone, une foule immense de plus de 2 millions de réfugiés venant des centres d'accueil avancés européens, d'Agadez au Niger et de Bamako au Mali, cette marée humaine a pris possession du port. Et de nombreux navires étrangers sont occupés pacifiquement car la police n'a pu empêcher l'envahissement par la foule de 3 paquebots de croisière, dont le paquebot géant Harmony of the Seas, ce qui évidemment a provoqué des heurts avec les croisiéristes, on dénombre une quinzaine de morts. Des avions de reconnaissance survolent la flotte, notre envoyé spécial Rémi est à bord de l'un de ces avions. Rémi, vous m'entendez ? Oui, pas très bien, mais je pense que vous m'entendez. Je vous décris la situation incroyable. Près de 40 bateaux couvrent la mer, les ponts des navires émergent à peine de l'eau. Je n'ai pas vu un seul navire intact, toutes les coques sont rongées par la rouille. Allô Rémi ? Bon, il semblerait que la liaison soit coupée. Nous retrouverons
Rémi dans quelques instants. Bon, en attendant, nous joignons Eric Dick. Merci de prendre un peu de votre temps hein, pour nous éclairer sur cette situation. Et j'en profite pour informer nos auditeurs de la diffusion en simultané sur notre canal de diffusion vidéo de votre surprenant film documentaire Et les cloches se sont tues, qui déjà en 2019 avait fait couler beaucoup d'encre. Film que l'on pourrait requalifier d'anticipation compte tenu des événements, n'est-ce pas ? Bonjour. Nous reprenons l'antenne. La liaison avec Rémi refonctionne, me semble-t-il. Allô, Rémi ? Rémi ? Et d'après mes informations, le port de Bretignolles-sur-Mer a fait part de son souhait de mettre à disposition ses infrastructures et les moyens humains conjointement avec différentes associations, dont Welcome Vendée, Vendée Maghreb. Il est vraisemblable que les bateaux s'échoueront sur les plages de toute façon, car cette flotte est incapable de retourner à son point de départ, ni même de tenir la mer une journée de plus. Merci Rémi, nous reprenons l'antenne dans quelques minutes pour une page de pub. الشامبوان جديد ديرمولامين 2 في 1 ضد القشرة لمخابر فينوس بالكليمبازول نعناع زيت اللوز وليمون للفروة السليمة وشعر أقوى. Tout l'été, il a été saturé. L'hiver, il est saturé. Donc en fait, le 115, c'est pratiquement pas de solution, quoi. Alors, nous avons sur la commune un site d'hébergement commercial qui accueille des migrants. La préfecture, c'est-à-dire le 115, place des migrants sur cette structure et sans nous prévenir préalablement, donc nous, collectivités. Le 115 m'appelle, me demande si j'ai des chambres de libre, donc je dis oui ou non selon mes disponibilités. Il me demande des chambres de combien de personnes, parce que des fois ça peut être 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes, ça peut être jusqu'à 6, hein. Même des fois 7, hein. Les familles des fois ont beaucoup d'enfants. D'accord. Donc ce qui veut dire que le 115 à La Roche-sur-Yon ne trouve aucun hébergement. Il ne trouve aucun hébergement, et notamment, alors l'été c'est encore plus prégnant, puisque en fait les seules solutions d'hébergement qui existent, ce sont les hôtels. D'accord. Et ça a commencé en quelle année, cet accueil des migrants ? Alors, ça a commencé, je dirais, en septembre-octobre 2016. Charge en est après, soit à la collectivité, soit aux associations, de les nourrir. Donc, c'est là que se pose le problème, parce que nous n'avons, sur la Garnache, pas de structure pour caritative bien implanté pour pouvoir pallier à ce problème. Il faut un minimum, il faut leur donner à manger, c'est pas à nous forcément de s'occuper de tout ça, les familles arrivent sans argent. Alors, il va donc ce qu'on appelle obtenir l'ADA, hein, une aide aux demandeurs d'asile, qui lui est allouée en fin de mois, chaque mois, pendant toute la durée de la procédure de demande d'asile. Donc une personne, son montant journalier, c'est 6,80 €. D'accord. Deux personnes, 10,20 € par jour. D'accord. Voilà, trois personnes, 13,60 €. Donc une famille, par exemple, avec deux enfants, ça va être quatre personnes, 17 €. Et un montant supplémentaire pour l'hébergement, s'ils n'ont pas pu avoir bénéficié d'un hébergement par l'OFI, de 7,40 € par jour. Leur procurons des bons alimentaires où ils peuvent acheter à manger sur le supermarché de la commune. Également, on se pose le problème de toutes les démarches administratives qu'il faut qu'ils fassent pour régulariser leur situation. Et donc, il y a beaucoup de démarches, mais c'est sur La Roche-sur-Yon, sur Nantes. Et ça pose beaucoup de problèmes aux bénévoles parce que, évidemment, ils font ça sur leur temps libre et sur leur denier personnel. Donc, un demandeur, lorsqu'il arrive, en principe, doit aller vers ce qu'on appelle une plateforme d'accueil des demandeurs d'asile. Il y en a une à La Roche-sur-Yon, qui est tenue par une association qui s'appelle France Terre d'Asile, et organiser un rendez-vous auprès du guichet unique des demandeurs d'asile, qui se situe à Nantes, en préfecture de région. Après, où c'est plus difficile, c'est les gens qui n'ont pas le moyen de locomotion. Là, ces familles-là, bon, ils galèrent quand même. C'est-à-dire ? Mais pour se déplacer, pour aller faire leurs papiers, pour aller faire leurs courses. D'accord. Ouais. Et sur la commune, ils ont une association qui les aide pour ces déplacements ? Oui, c'est le Secours catholique. Donc on considère que vous êtes en fait en manque de structure.
Tout à fait. C'est ça. Est-ce que vous pensez à terme, à court terme ou à moyen terme, créer une structure pour accueillir ces migrants? Pour l'instant, ce n'est pas à l'ordre du jour. Donc, je ne sais pas trop comment M. le maire prend tout ça, mais il n'a pas l'air d'être très content non plus. D'accord. En fait, il se passerait bien qu'un hôtel de sa petite ville accueille des migrants. Il s'en passerait. Je pense. Après, bon, les Garnachois resteront les Garnachois. De toute façon, des migrants dans leur commune, ça ne fait pas forcément plaisir. Mais bon, je pense que de toute façon, il va falloir s'y faire. Hein. Ils arrivent et puis... Et vous imaginez peut-être que c'est un problème qui va aller en s'accentuant pour vous, ou c'est juste une passade et dans quelques temps, il n'y aura plus de demande de migrants sur votre commune? Alors, on se pose beaucoup de questions. Maintenant, je ne sais pas comment... Je pense qu'il y aura de plus en plus de migrants en France d'une manière générale. Donc, effectivement, je pense qu'il y a des territoires où il n'y a pas beaucoup de migrants encore, où justement... Ben, ces territoires vont être conquis. Ça s'accélère, oui. Je trouve qu'il y en a de plus en plus. Et qu'on est de plus en plus sollicité à prendre des migrants, à recevoir des migrants dans l'hôtel. Et puis moi, je continuerai à en recevoir. Il y a effectivement un devoir d'humanité. Je veux dire qu'on ne peut pas laisser pour compte ces gens, quoi. À un moment donné, il va bien falloir, alors qu'il y ait quelques différences, mais c'est l'effort que nous devons faire et que nous devons aussi exiger de ces gens. Et lorsqu'on arrive dans un pays de cultures différentes, effectivement, de faciliter leur intégration. Il y a un programme qui s'appelle Carte Bleue Européenne, qui incite, qui avantage les migrants qui sont diplômés pour venir en Union Européenne. Donc on est en train de vider... des pays qui sont souvent fragilisés, soit par des guerres, soit par situation économique difficile, les pays d'Afrique, par exemple, on est en train de les vider de leurs travailleurs diplômés. Et puis, il faut faire le tri, et puis les gens qui ne sont pas des demandeurs d'asile, qui ne fuient pas la guerre, qui ne fuient pas la persécution, ces gens-là, il faut leur dire, vous êtes un réfugié économique. Pourquoi ? Parce qu'on a créé des appels d'air, parce qu'on est un des rares pays à offrir l'AME, on est un des rares pays à offrir la carte pour pouvoir manger, se loger, etc. Et ça, ça crée des appels d'air, ça amène une immigration que finalement, on va subir pendant des années qui viennent. Quelque part, celui qui sait jouer des papiers un petit peu, il va arriver à la preuve aussi qu'on peut arriver à très bien vivre sans travailler en France. Il suffit d'être un peu rusé. Hein, de... Ce que je voudrais dire, c'est que de toute façon, on va subir ces transferts de population et qu'il va bien falloir s'y adapter si on est dans le cadre de l'Union européenne. De toute façon, ce sont à chaque fois des cas dramatiques. Enfin, moi, les personnes que je rencontre, c'est des vécus, mais terribles, hein, dramatiques. Personne ne part de son pays de gaieté de cœur. On n'abandonne pas son pays de gaieté de cœur. On abandonne son pays parce que on veut survivre mieux, on veut sauver ses enfants de la destruction. Enfin, il y a quand même eu beaucoup de pays depuis la création de l'Union européenne. On nous dit que c'est la paix, mais quand on voit ce que l'Union européenne a créé autour de nous, on a créé la désolation. La Libye, la Syrie, l'Irak avant... C'est vrai que le phénomène migratoire tel qu'on le connaît depuis est assez récent finalement. C'est de l'ordre, moi je dirais, 3-4 ans. Mais en 2012, en tout cas moi quand j'étais ici, c'était plutôt les Tchétchènes. Voilà, c'était pratiquement exclusivement les Tchétchènes. Il y avait quelques Somaliens, je dirais. Mais voilà, ça se limitait à ça. La population musulmane, c'était plutôt maghrébin ou des convertis français. Et là, c'est vrai, depuis 2 ou 3 ans, les choses évoluent. Et on reçoit plus, par exemple, des pays comme des Afghans, des Pakistanais, enfin de ce genre de population. Voilà. Et beaucoup d'Afrique subsaharienne, comme on dit. Voilà. Et puis, oui, 3/4, c'est quand même des musulmans, quand même. Hein. D'accord. Alors comment vous le savez? Mais la dernière fois, on a un petit snack à côté, on a une sandwicherie,
Et puis on fait du kebab et ils nous ont quand même demandé c'était quoi la viande au kebab, si c'était bien de la halal, si c'était... Et c'était C'était bien, ça en était bien, mais bon, on voit quand même qu'ils hésitent. Bonjour à ceux qui nous rejoignent sur notre antenne pour ce journal exceptionnel. Notre signal est fortement brouillé par les ondes des radios islamiques. Nous reprenons donc notre édition spéciale Armada. Eric, vous êtes toujours avec nous ? Je suis toujours là. Je regarde mon documentaire de 2019 et je me rends compte combien certains intervenants de l'époque étaient... Allô, le studio ? Allô, le studio ? Allô, le studio ? Allô ? Bon, j'espère que vous m'entendez. D'après mes calculs, cet échouage devrait se situer dans la nuit sur tout le littoral vendéen. Merci Rémi. Nous apprenons que l'exode des locaux s'amplifie. Les trains et les avions sont bondés. Au départ de Nantes, l'autoroute A11 a atteint son point de saturation. On remarque aussi de nombreux magasins et villas fermés. C'est une panique générale. Saint-Jean-de-Mont a ouvert un centre d'accueil, nous faisant croire que ces gens qui arrivaient à Saint-Jean-de-Mont venaient dans un CAO pour déposer des demandes d'asile dans certains pays et qu'on a appris plus tard que ces Soudanais avaient déjà eu leur titre de séjour. C'était une des clauses pour qu'ils quittent Calais et venir sur notre commune, loger, nourrir, blanchir. Mais quand c'est la préfecture ou l'État qui l'envoie, la commune qui accueille a aussi une aide financière de l'État pour l'accompagnement. Donc les gens ont été accueillis, mais après donc, on leur fournissait un logement. Et bon, ils avaient une voiture, tout ça c'était fourni. La maison, ben, il fallait refaire les peintures. Ils ont demandé, ils ont le droit à tout. Donc la préfecture nous a sollicité pour que, savoir si nous avions des logements à mettre à disposition, parce que la préfecture pouvait de droit trouver des logements dans le privé et nous imposer de vivre. Or, nous avions justement des possibilités de logement. Donc nous avons mis à la disposition de M. le Préfet des maisons d'habitation et des appartements pour accueillir à peu près une vingtaine de migrants. Et en 2015, en juin 2015, je reçois un courrier que je pourrais vous transmettre. Je reçois un courrier d'association Pouzogèse. Voilà. Ces associations Pouzogèse, je les ai relevées ici, il y avait Amnesty, il y avait le CCFD, il y avait le Secours catholique. Il y avait l'ACAT, Association contre la torture, et la Pastorale des migrants de Pouzauges. Et ces personnes donc signent une lettre commune en m'interpellant. Qu'est-ce que vous allez faire, la mairie? Pouzauges est une ville traditionnellement d'accueil. Logements que vous mettez à disposition, c'est des logements qui appartiennent à la commune de Chalon, qui sont des logements d'urgence à l'origine, qui sont des logements pas sociaux. Du tout, ce sont des maisons qui, pour une raison X ou Y, étaient notre propriété. Et non occupés parce que nous avons des projets à venir, donc on ne peut pas y mettre de locataires. Donc d'une façon temporaire, on peut bien sûr y mettre des migrants. Et il y a un loyer de fixé et nous percevons un loyer. Vous percevez un loyer de la préfecture? Bien sûr. Pourquoi on aide ces gens-là avant d'aider les Montois qui sont dans la misère? Et on m'a répondu, on fait le nécessaire pour les Montois. Ben, j'ai dit, moi, ce qui me dérange, c'est que j'ai des familles qui sont actuellement, dont une maman à l'époque était dans un mobil-home avec ses deux enfants, qu'on n'avait pas logé, où on avait un monsieur qui était dehors, dans la rue. Je suis ouverte aux autres cultures. Et puis là, on est dans un quand même problème qui est particulier, qui est lié à la guerre. Mmh. Et à ces déplacements de population, hélas, qui doivent quitter leur pays. Parce que quitter son pays, c'est pas drôle. Enfin, je pense quand on parle d'immigration, il y a l'accueil, mais il y a celui qui part. Et quand on sait... Moi, je pense que ça doit être dramatique de tout quitter pour partir. Moi, je dirais qu'on ne peut pas rester insensible face au drame que vivent un certain nombre de gens dans leur pays. Ce sont des personnes, des familles qui sont venues pour sauver leur vie et celle de leur famille. Je crois qu'on ne peut pas... Ce sont, moi je dirais, si on a le sens de la fraternité et de l'humanité la plus simple, ce
sont des personnes qui sont en réel danger. On a vu naître en Vendée un certain nombre d'associations d'accueil de migrants, sur tout le département. Et c'est vrai que depuis les années 2016-2017, on a vu des gens qui se sont mobilisés pour organiser l'accueil, l'hébergement de ces gens, parce qu'au vu de la misère de ce qui se passait, franchement, ils étaient un peu scandalisés, quoi. La question, c'est qui organise ces trafics humains? Alors, j'ai Tsipras, donc en Grèce, a poursuivi en justice une association qui est dite humanitaire pour association de malfaiteurs et trafic d'êtres humains. Donc Tsipras, c'est pas un complotiste. Hein, il est. Donc derrière, il y a quand même des filières mafieuses que l'on doit dénoncer. Nous sommes donc un certain nombre d'associations en Vendée qui reprennent cette terminologie. Alors donc il y a Amis au Pays de Pouzauges, Amis Sud comme Amis Sud Vendée, Amis Malvent, nos voisins du nom des communes Malièvre, Trèsvent. Et je pourrais en faire une liste plus complète. Nous sommes tous regroupés dans un collectif dont la mission est d'accompagner et d'aider les migrants qui arrivent dans notre commune et dans le canton. C'est un article dans Valeurs Actuelles qui avait attiré mon attention là-dessus, où le journaliste qui avait fait l'enquête sur l'immigration, qui était déjà préoccupante à l'époque, mais enfin sans commune mesure avec ce qui se passe aujourd'hui. Donc ce journaliste avait expliqué que les réseaux de passeurs, souvent encadrés par des gauchistes, et donc cet article soulignait que petit à petit, les associations en question encourageaient les filières se dirigeant vers des zones à faible potentiel migratoire, parce que justement les crédits affectés aux préfets ne servaient pas. C'est les préfets, c'est le gouvernement qui choisit de les installer en Vendée, et spécialement de les répartir dans des petites communes pour éviter les gros clashs, parce qu'évidemment, si on en met 500 sur la roche, ça va se voir tout de suite. Donc on va les répartir un petit peu partout, dans tout le département. J'ai l'impression qu'en France, on ne se rend pas compte qu'on subit une politique et qu'on n'a rien à dire de toute façon. Donc on n'a plus rien à dire sur la politique migratoire en France, puisque c'est décidé par l'Union européenne. Et ça devient de plus en plus voyant. Et notamment grâce à ce réseau d'associations qui est très puissant en Vendée. Hein. Ça vient certainement d'un réseau catholique qui pense que c'est bien d'aider son prochain. Et malheureusement, ce n'est pas la bonne solution et ce n'est pas ce qu'on devrait faire. Ça n'est pas, je veux dire, que les catholiques ne sont pas forcément, n'ont pas l'exclusivité d'une attitude bienveillante, fraternelle et... On peut être fraternel sans être catholique. Hein. Disons, l'avantage de la Vendée, c'est vrai, c'est un département, on peut dire, un peu religieux aussi, hein, catholique. Il y a beaucoup d'écoles, privées et autres. Moi, je pense que c'est un avantage. C'est des gens qui respectent la religion. Donc même si ce n'est pas à la leur, mais ils savent que quand même, on adore un Dieu. Donc non, au contraire, c'est un avantage pour nous. Nous sommes... réunis en fait en novembre 2016, juste après le phénomène un peu médiatique du petit garçon qu'on avait découvert sur une plage en Syrie. Voilà. Donc à ce moment-là, plusieurs personnes au niveau de la paroisse autour du père curé se sont retrouvés et ont dit il faut qu'on fasse quelque chose. On ne peut pas rester indifférent face au drame de tous les réfugiés.
il y a quand même un fond, même si je ne suis pas moi un croyant, j'apprécie quand même ce fond chrétien qu'il y a dans le bocage, quoi. Ce sens de la fraternité est réel, à mon avis. Oui, la création et les fondements du Secours catholique. Oui, donc créé en 1946 par Mgr Rodin, donc, qui était un évêque, et donc c'est très lié à l'Église catholique. C'est-à-dire que c'est tout simplement le message de l'Évangile, à savoir, il faut être attentif et s'occuper des plus pauvres. Donc c'est aussi simple que ça. C'est l'accueil des gens en précarité, c'est l'accueil des pauvres, c'est la mission de tout chrétien, normalement. Alors l'Église catholique a une attitude qui est parfaitement incohérente, je dois dire, qui est parfaitement incohérente parce que elle cherche un dialogue avec l'islam, alors que l'islam n'est pas du tout demandeur, donc c'est déjà à sens unique. L'Église catholique a joué un grand rôle. Et donc, en véhiculant le message de charité, le message de l'Évangile, tout naturellement, les Vendéens, où la pratique religieuse est restée très, très vivace, aujourd'hui encore, même la pratique et les vocations ont baissé depuis une trentaine d'années. Cette imprégnation du catholicisme et du message de l'Évangile reste très forte et influe aussi sûrement sur cette volonté d'accueil, de charité, de solidarité. Bon, une famille a été un moment là sans logement. Elle a été accueillie au presbytère de Saint-Gilles. Hein, momentanément, pendant 3 semaines, puisqu'elle était sur la rue, pour une famille avec 4 enfants, 4 tout jeunes enfants. Elle a été accueillie au presbytère. Ça a créé des relations toutes simples entre le père curé et puis la famille musulmane. Et aucun d'entre eux n'a perdu sa religion. Oui, ce que je voudrais bien faire comprendre, c'est que l'accueil s'adresse à toute personne. Et nous, pour nous, il n'y a pas de migrants, de gens nés ici, où on ne fait aucune distinction. Quelqu'un qui vient, qui sonne à notre porte, doit être accueilli de la même manière. Effectivement, il y a un peu plus de migrants ces dernières années. La communauté musulmane, puisqu'on peut parler d'elle, c'est elle qui peut poser des problèmes quelquefois, elle semble assez bien acceptée. Le lieu de culte est juste à côté de chez moi, dans le fond de mon jardin. Le vendredi, il peut y avoir 150 personnes à la mosquée, comme on dit, hein. J'ai soigné beaucoup de musulmans et quelquefois ils me disent « Comment je peux te remercier ?» Ben, j'ai dit « Écoute, prie pour moi. » Prie pour moi. Il me dit, mais je fais ça tous les jours. Ben, je lui dis, c'est pour ça que je vais bien. C'est grâce à ta prière. Et je m'appuie sur leur prière. Je n'ai pas à avoir peur des gens honnêtes, des gens pieux. Je trouve ça magnifique, la piété. Et ce qui compte, ce n'est pas sa foi. Ce qui compte, c'est ce qu'on en fait dans le réel. On peut croire à n'importe quoi, à n'importe qui. La question, c'est concrètement, je fais quoi avec ma religion? Sur ces gens qui arrivent, 90 à 95% sont de religion musulmane. Exact. D'accord. Donc, cette fraternité catholique, évidemment, s'ouvre exactement pareil pour les musulmans, si je comprends bien. Absolument. Absolument. Nous avons dans nos bénévoles des personnes de religion musulmane. Parce que le problème qui pose vraiment problème, entre guillemets, c'est la religion. Mais il y a moyen, quand on a la bonne connaissance de l'islam et de la religion, c'est une des religions qui permet vraiment l'intégration. Puisque nous, pour nous, elle est universelle. Elle peut s'adapter n'importe où, à n'importe qui, dans le respect de l'autre. Alors nous, on vit en République. Donc la République, elle garantit la liberté de culte et la liberté religieuse. Cette histoire d'islamisation, c'est une espèce d'angoisse, peut-être, pour une part, et puis il y a aussi quand même une manipulation politique autour de ça. C'est-à-dire, on ne peut pas rencontrer l'autre puisqu'il va m'islamiser. Ben non, l'autre, je vais lui dire, quelle est ta prière, quelle est ta foi? Le fait de, moi, pratiquer une religion, ça m'intéresse comment l'autre pratique sa religion. Ici, en Vendée,
Je dirais en moyenne, on a une à deux personnes par semaine, en moyenne, voilà, qui viennent se convertir, de tout horizon. Voilà, vraiment. Ça peut être des jeunes, des vieux. Alors ça voilà. peut être un chrétien qui... Un chrétien qui... Ou quelqu'un qui n'a pas de religion, qui, voilà, qui se pose des questions et qui vient à l'islam, quoi. Oui, oui. D'accord. Voilà. Et ça, on le voyait moins il y a quelque temps Oui, oui, on a vu une progression. Franchement, on a vu une progression. Donc là, je vous dis, actuellement, on est à peu près voilà, à deux personnes, je crois, une vingtaine de conversions dans l'année, quoi. Voilà, en gros. Et qu'on peut dire qu'il y a 50 ça, il y avait... Il n'y en avait pas. 3, 0. Voilà, à peine. Bon, il faut dire que c'est vrai que maintenant, il y a une structure. D'ailleurs, les gens, ils veulent, celui qui s'intéresse à la religion musulmane, de la région, qu'est-ce qu'il va faire ? Ben, il va chercher, est-ce qu'il y a une mosquée, par exemple, un numéro, il va appeler, il va venir. C'est vrai que la structure qu'on a maintenant permet ça. Donc peut-être que ça, voilà, c'est plus concret. Donc les gens, ils savent où aller, à qui parler. J'ai vécu aussi 2 années au Maroc, j'ai vécu dans des milieux totalement musulmans. Je crois qu'on peut, s'entendre. Mais évidemment, si... S'il y a des formes qui prennent un certain autoritarisme sur une région, j'ignore ce qui peut se passer. On sait bien qu'on a aujourd'hui des mosquées ou enseignement qui est fait par l'imam. N'est pas forcément de nature à apaiser justement tous ces conflits. Et je crois que là, l'État a vraiment un rôle à jouer et un rôle de fermeté. Je crois qu'il ne faut pas essayer, il ne faut pas hésiter à reconduire chez eux ceux qui prônent la violence, ceux qui prônent l'intégrisme, ceux qui prônent... On voit que la France a eu des relations proches avec l'Arabie Saoudite. Et à laisser entrer des imams salafistes, qui sont une partie très, un peu extrême de l'islam. Il y a différents courants dans l'islam. Le salafisme, c'est la partie la plus extrême. Pourquoi est-ce que on a encouragé ce type d'islam ? Les mosquées salafistes sont des mosquées qui sont finalement plus franches que les autres. Parce que le discours, le problème de l'islam, me semble-t-il, ça serait de faire une mise à jour, un aggiornamento, comme on a dit, sur les textes sacrés. Il y a quand même des choses dans le Coran qui sont critiquables et qui ne sont jamais critiquées, puisque le Coran étant la parole de Dieu, on n'a pas le droit de le critiquer, on n'a pas le droit de critiquer le prophète non plus, qui a eu quand même un comportement, c'était quand même un chef de guerre, donc qui a tranché pas mal de têtes dans sa vie, c'était pas du tout un artisan de paix. L'islam, c'est son grand défi pour l'avenir, c'est justement d'aborder la modernité. Or, qu'est-ce qu'on constate malheureusement, malheureusement, c'est qu'il fait plutôt le chemin inverse, puisque le salafisme, c'est de retrouver les origines. Les origines sont la guerre. Si vous avez des mosquées, c'est les Marocains qui veulent gérer. Après, il y a d'autres mosquées, ce sont les Algériens. C'est les deux principaux. Les Tunisiens, dans ce coup-là, ils restent en dehors. Mais il y a les deux. Après, vous avez des mosquées, c'est que les Arabes, ils ne veulent pas des Noirs. Donc, ils les tolèrent plus ou moins. Mais quand ils peuvent, ils leur donnent les moyens d'avoir une mosquée à eux. Mais... Vous remarquerez bien que les Arabes et les Noirs, il y a encore beaucoup d'esclaves qui sont noirs chez les Arabes. Donc ils en ont pas. Et après, vous avez les Turcs. Alors quand vous êtes Turcs, ils ne veulent absolument pas avoir de Maghrébins dans leur mosquée. Donc il faudrait au moins, il faudrait pour que ça marche, il faudrait 4 mosquées différentes. Et la religion s'inscrit dans la différence culturelle. Maintenant, ça dépend comment on l'aborde. Si on l'aborde d'un point de vue méprisant, en se disant le bien, c'est les catholiques, alors qu'il n'y a quasiment plus de catholiques en France, et le mal, c'est les islamistes, ben non, je ne peux pas suivre. Non. On voit des grands spirituels et des grands humanistes dans toutes les religions, et on est bien placé pour voir que malheureusement, des choses horribles se commettent sous les soutanes. Il y a de toute façon un climat
christianophobe dans notre pays. Puisque la seule, et surtout cathophobe, parce que je constate que c'est surtout l'Église catholique qui est attaquée. N'oublions pas le père Hamel, à côté de Rouen, qui s'est fait quand même égorger en pleine messe, et des actes au cours de messe qui sont perturbés par des Allahu Akbar, hein, donc ils sont extrêmement fréquents. Donc on a tout lieu de penser que malgré tout, l'introduction de populations étrangères qui sont régies par la charia, il ne faut pas oublier que dans les enseignements de la charia, le juif et le chrétien sont des êtres impurs. Et pour peu qu'on tombe sur des gens qui sont un petit peu faibles d'esprit, ils peuvent se sentir investis d'une mission divine, hein, pour aller détruire les églises, enfin faire des dégâts dans les églises. Alors l'ancien maire, hein, monsieur Marcel Albert, qui était donc l'ancien maire des Herbiers, avait dans toute discrétion proposé une salle de prière à l'association culturelle musulmane des Herbiers, et donc leur a permis le droit de s'installer dans l'ancienne ludothèque de la ville des Herbiers. Changement de maire, Madame Bess qui a été élue, se voit un peu embêtée avec ce dossier, mais en même temps autorise le doublement de la superficie de la mosquée. Donc déjà, ça nous a un peu surpris. Et puis deuxièmement, on a découvert quand même que l'association, enfin, n'a jamais payé un centime de loyer. Et donc là, la séparation de la loi de 1905 sur la séparation du culte et des deniers et de l'État est complètement bafouée, et cela depuis des années. C'est-à-dire que c'est vos taxes, nos taxes, qui permet à ces gens-là de pratiquer leur religion aux Herbiers sans aucun problème. Et autre responsabilité, la droite qui n'a pas osé... qui n'a pas osé s'y opposer. Mmh. La responsabilité de la droite est entière aussi. Hein, de... Oui, bien sûr. Bien c'est-à-dire, on a fait quand même une séparation entre l'État et la religion en la loi de 1905. Mais là, aujourd'hui, il n'y a plus. C'est la religion qui est en train de redevenir prioritaire par rapport à la loi de la République. Pour moi, au contraire, la laïcité est une très bonne chose. Et nous, moi en tout cas, je parle en mon nom, hein, je vais pas après, je vais parler de tous les... Moi, je pense que c'est une très très bonne chose pour nous, et c'est ce qui nous permet d'exister. Voilà. Il n'y aurait pas la loi laïcité, peut-être qu'on n'existerait pas. Voilà. Donc, au contraire. Mais par contre, moi, je suis d'accord, il faut respecter. Voilà. Je vais vous donner un exemple très simple. Je suis dans la commune de Saint-Vincent-sur-Jard. J'ai ma fille qui est à l'école primaire. Elle est la seule, je crois, musulmane ou... voilà. Donc, ils ont, au conseil municipal, jusqu'à un certain temps, ils faisaient un repas de substitution. Voilà. Alors, c'était que pour une personne. Et à un moment donné, au conseil d'administration, ils ont décidé qu'il n'y avait plus de repas de substitution. Mmh. C'est-à-dire pas de... Je n'ai pas contesté, j'ai accepté. C'est magnifique, la laïcité. Oui, sans voilà. La laïcité, je ne serais pas là, d'ailleurs. Oui, c'est ce qui m'a déjà été dit par... Sans la laïcité, je ne serais pas là, cette mosquée ne sera pas là. Oui. Donc pour nous, la laïcité, c'est un garant. La laïcité, dans ce sens, dans ses fondements, c'est de garantir la liberté des consciences, et la liberté de pratiquer, de croire, de ne pas croire. Et ça, c'est un phénomène extraordinaire. C'est le génie français de faire de sorte à ce que la société soit pluriconfessionnelle, pluriculturelle. Les responsables de l'association qui gère ce local voudraient acquérir un terrain pour construire vraiment une mosquée. Et je pense que là, ils ont un peu de difficulté avec la municipalité. Ce qu'on souhaite actuellement, on l'a dit à la mairie à plusieurs reprises qu'on a été la voir, ce qu'on avait demandé, d'avoir un endroit plus grand, soit un terrain qu'on puisse construire, qu'on puisse exercer notre culte, et en même temps faire nos activités dans les règles de l'art. Au début, elle a dit oui. Elle a dit oui, et après avec la municipalité. Pendant les élections. Elle a dit, de toute façon, ce qu'on nous a promis, vous savez bien comment, ils ont tous des belles paroles. Tous les hommes politiques. C'est la politique. Ouais. Ouais. Ils ont tous des belles paroles, des belles promesses, tout ça, mais quand ils passent au pouvoir. Quand vous voyez ces gens qui sont, entre autres, sur la mosquée de la Roche-sur-Yon, qui a été bénie, entre guillemets, par certains de nos élus, de droite comme de gauche, ça va peut-être déranger certaines personnes ce que je dis, mais de droite comme de gauche, qu'on a béni cette mosquée qui a été
payée en grande partie par les frères musulmans, qui sont quand même des gens très peu recommandables, qu'on a combattus à l'étranger. Ça me pose question. Est-ce qu'on a d'autres exemples comme ça sur la Vendée, où il y a d'autres mosquées ou de salles de prière communes? Il y en a en vue. Mais pas qui existent. Pas encore. Aucune. Aucune. En Vendée, aucune. Non, aucune. Il y en a juste une à La Roche-sur-Yon, c'est tout. La grande mosquée. Voilà. D'accord. La Roche-sur-Yon, Zerbier, pour le moment. Et pour puis, le moment. Il y a en vue une sur Chantonnay. À Chantonnay. À Chantonnay. Oui. Elle n'existe pas. Mais elle est en vue. Et puis il y en a un autre. À Pouzoche, qu'elle est en vue. Des associations se créent, l'association socio-culturelle des musulmans de Pouzoche, par exemple, vous devez connaître. Il y en a une qui s'est créée récemment. Ça, c'est le papier officiel de la préfecture qu'on m'a donné, d'accord ? Il y en a une qui s'est créée récemment. Elle s'est créée, d'après vous, quand ? À vue nez, hein, c'est pas... À la rentrée, là, au mois de septembre. La date de déclaration est du 17 juillet 2018. Donc c'est pas... Oui, donc moi je l'ai su donc en septembre à la rentrée. D'accord. Alors je vais vous faire lire. Vous avez lu leur déclaration à la sous-préfecture de Fontenay-le-Comte? Leur objet? Elle ne m'a pas été envoyée. Culturelle. Association socio-culturelle, on est d'accord? Voilà, oui. Mais. Je voudrais que vous lisiez jusqu'au bas où c'est stabilité. Oui, j'y ai pensé déjà. Qu'est-ce que vous en pensez? J'y ai pensé déjà. Bah, je suis... Alors, pour l'instant, donc... Bon, moi, on en a discuté hein, avec mes équipes. On a dit ah, et un jour, ils vont vouloir nous donner... Est-ce qu'on va nous demander un lieu de culte? On a dit laissons venir, parce qu'on s'est dit, je suis un petit peu à l'écoute de ce qui se passe. Quand j'ai vu ça, effectivement, on s'est dit, je savais qu'aux Herbiers, donc il y avait eu cette discussion peut-être avec la mairie qui n'a pas envie de développer, je pense, ça, hein, je crois qu'ils ont demandé à développer la salle, etc. Mmh. Et qui a freiné, voilà, et justement on m'a interpellé en disant, bah donc si aux Herbiers on freine, on va peut-être se toquer à Pouzoche. Mais si on a besoin d'une salle pour un lieu de culte, je ne vois pas pourquoi on n'y aurait pas droit. À ce jour, nous n'avons aucune demande de structure pour d'autres confessions. Nous avons historiquement, bien sûr, la Vendée, vous le savez, enfin, la France, la Vendée, historiquement, est plutôt chrétienne. Donc il y a, comme partout, mais ça c'est notre histoire, une église. Pour l'instant, nous n'avons aucune demande d'autres structures. Si un jour ça doit arriver, ben, on verra comment on le gère. Eux, ils ont le droit d'imposer ça. Moi, je trouve ça normal. Mais c'est à nous de dire non. C'est à nous de dire non, pas chez nous. Mais est-ce qu'on dit non? Et on dit pas non, parce que de toute façon, les élus, de toute façon, ils se font dessus. On n'est pas du tout, on n'est plus représenté par nos députés. Regardez les mouvements politiques là en ce moment, des gilets jaunes, enfin des mouvements, je dis politiques, mais le mouvement des gilets jaunes, un mouvement social qui touche après des sujets politiques, hein, la demande, le RIC, etc. Eh bien, nos députés en font abstraction. Il faut savoir que notre maire actuel, qui est donc du parti politique MPF, Philippe Devilliers, créateur, a été élu avec plus de 60% des voix au premier tour. Donc on peut supposer que les gens qui ont voté pour elle partagent ses idées. Que c'est-à-dire elle ne veut pas avoir de nous. Elle ne veut pas avoir de... Elle ne veut pas, c'est-à-dire, avoir une association musulmane ici. Oui. Et puis, on discute des fois, mais on voit que c'était, on n'est pas appétissant, quoi. Dans la première vote qui est partie, on était 23 votants pour Madame Bess. Mais la prochaine fois, on va avoir 150 contre. Je vous dis la vérité, hein. Je ne cache rien, moi. Nous vivons des...
des instants tragiques. Le gouvernement réuni autour du président de la République a siégé toute la journée au palais de l'Élysée. En raison de la gravité des circonstances, étaient également présents à cette réunion les chefs d'état-major des trois armées, les responsables de la police et de la gendarmerie, les préfets de Vendée, Loire-Atlantique et Charente-Maritime, et à titre consultatif, l'Union des organisations islamiques de France. À l'heure où nous vous parlons, le conseil n'est pas encore terminé, mais le porte-parole du gouvernement vient d'annoncer que le président de la République adresserait lui-même vers minuit une déclaration solennelle au pays. Selon les informations qui nous parviennent de la côte atlantique, rien ne semble bouger à bord de la flotte émigrante. Ben, les musulmans, ils sont déjà là, hein, parce qu'il faut savoir que dans le bocage vendéen, il y a énormément de travail, dans l'industrie agroalimentaire principalement. Comme ce sont des emplois durs que les Français ne veulent pas prendre, c'est toutes ces grandes entreprises arrivées, Euralis et compagnie, n'arrivent à tourner que grâce aux migrants. Il ne faut pas oublier que la Vendée a le salaire moyen le plus bas de toute la France. Hein. Si vous regardez les offres d'emploi, c'est quoi? C'est l'agroalimentaire, c'est-à-dire ramasser des poulets, ramasser des œufs, travailler à l'abattoir. Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, c'est extrêmement émouvant de voir des gens très démunis. Souvent, on dit les demandeurs d'asile, ils coûtent à l'État, ils coûtent, mais après, ils rapportent parce qu'ils travaillent. Et de les voir s'intégrer dans les abattoirs de volailles, dans les briocheries, et de faire partie de la vitalité économique de notre département, ça, c'est très émouvant de dire ils étaient rien et maintenant, quand on parle de la Vendée, on parle des brioches de Vendée. Ben, derrière les brioches de Vendée, il y a beaucoup d'immigrés. Travailler dans un abattoir aujourd'hui, vous savez, vous avez beaucoup de chômeurs en France. Hier soir, on avait une réunion économique. On doit être à 1400 demandeurs d'emploi à Chalon et 1600 d'offres non pourvues. Donc vous voyez bien que c'est compliqué et ces migrants qui, eux, de par sans doute les difficultés qu'ils ont eues, acceptent plus facilement des travaux, j'allais dire peut-être moins nobles. Mais voilà un exemple où les employeurs sont très heureux d'avoir pu les embaucher. Donc c'est vrai qu'on dit qu'en Vendée, le taux de chômage est peut-être plus faible, mais les salaires sont aussi très bas. Les situations personnelles sont très difficiles. Il y a vraiment des gens qui vivent sans pouvoir... Enfin, qui survivent à peine. Et là, on est en complète opposition avec notre Constitution. Nous, on voudrait dénoncer cet état de fait que la Constitution française est là pour protéger les citoyens. L'article 2, c'est que normalement, la politique est faite pour le peuple, par le peuple. Et là, on voit qu'elle est faite par Macron pour les milliardaires. Donc, ce n'est pas des emplois d'ingénieurs qu'on propose sur la Vendée. Il n'y a pas de grandes sociétés d'informatique. Il n'y a pas de grandes sociétés multinationales en Vendée. Et ce sont des petites sociétés qui ont besoin de main-d'œuvre pas chère, facile à manipuler. Et donc, voilà, le MEDEF ne s'en cache pas. C'est un appel d'air qu'ils ont créé et qu'ils continueront à créer. Là aussi, on retrouve quelque chose qui est contestable et qui a d'ailleurs été décrit par un certain Karl Marx, hein, qui disait que l'immigration était utilisée par le patronat pour justement mettre les ouvriers donc devant le fait accompli et les mettre justement à genoux. C'est un petit peu ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire que on a donc par ce recours à la main-d'œuvre immigrée, bien entendu, on a donc une paupérisation évidemment de tous les travailleurs français. Alors, il est évident qu'une forte immigration va se propager partout sur le territoire national, surtout sur les zones d'expansion économique. Or, la Vendée est un département qui a une belle expansion économique avec peu de chômage. Et que très probablement, on va voir arriver pour le travail des migrants. Alors vous avez migrants et migrants, hein, mais essentiellement chez nous maintenant, on sait que c'est les migrants africains, d'origine africaine. Parce qu'il y en a plein qui sont arrivés, et il y en a des Tchadiens, il y en a des Soudanais qui sont venus en France. Il y a à peu près 5 pays. Oui, ouais. Qui sont les 5 communautés qui sont sur les Herbiers. Ouais. Et qui sont venus dernièrement en fin ouais. de compte. Et vous pensez qu'il peut y avoir encore plus toujours, de... Toujours, oui. Parce qu'il vient le jour. Hein. Parce qu'on a sur un bassin qui est... Trop de monde, ils ont du mal à retrouver des ouvriers, tout ça. C'est pour ça que les gens viennent ici. C'est le travail qui les ramène, si vous voulez.
Et qui dit immigration dit automatiquement chercher du travail, chercher un emploi à plein temps. Et donc les herbiers, à ce sujet-là, offrent pas mal d'emplois. Je crois que ça doit être à 5,6% le taux de chômage sur les herbiers, ce qui est un des plus bas de France et de Vendée. D'accord. C'est que il y a quand même, dans le monde du travail, une précarisation grandissante des salariés, hein, avec les nouvelles lois, les ordonnances, etc. Donc il y a une précarisation grandissante. Et quoi de plus précaire qu'un émigré ? C'est-à-dire qui a un statut précaire, malgré tout, qui a une obligation de trouver un travail plutôt rapidement, donc qui va ne peut-être pas être très regardant ni sur les conditions de travail, ni sur le salaire. L'industriel des Herbiers ou de La Roche ou d'ici, il cherche des travailleurs. Bon. Alors, il y a une migration qu'on pourrait faire, c'est la migration interne. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui cherchent des emplois et qui sont dans le Maine-et-Loire, qui sont dans les Pays de Loire, qui peuvent très bien venir travailler aussi. Pourquoi faire venir des gens d'ailleurs ? Non, c'est parce qu'ils viennent, sans qu'on leur demande. C'est ça le problème. C'est qu'ils viennent sans qu'on leur demande et qu'on a un mal de chien à les faire repartir chez eux et que il faut gérer le problème. Donc là, ils gèrent le problème. Alors les industriels, évidemment, on se frotte un peu les mains, certains, parce que comme ça, les salaires vont pas augmenter, voire baisser. En même temps, ils vont pouvoir augmenter un peu leurs bénéfices. C'est sûr que depuis quelques années, on constate, bien sûr, que ça satisfait le développement des entreprises. Hein, c'est étonnant de voir comme... Ces gens-là, ils ont des connexions entre eux et il suffit qu'il y en ait un qui ait trouvé un travail, il y a des cousins qui arrivent. Vous voyez, ça fonctionne très bien. Cette logique de la migration économique, c'est une logique liée au libéralisme, c'est-à-dire que dans certains secteurs, notamment le bâtiment, et ça, c'est dès les années 60 sur l'ensemble de la France. Il y a certains secteurs qui ont besoin d'une main-d'œuvre non qualifiée, à bas prix, et donc qui ont contribué à faire cet appel d'air. Si quelqu'un travaille dans les abattoirs de volailles, par exemple, Dieu merci, en France, contrairement à ce qu'on dit, l'ascenseur social fonctionne encore. Donc les gens, ils vont souhaiter pour leurs enfants qu'ils fassent des études et qu'ils aient un travail moins dur, et c'est bien. Mais alors du coup, ces postes qui étaient pris par les parents ne vont pas être pris par les enfants. Donc celui qui arrive dans la société française, il va participer à la vitalité économique. Et les entreprises, bon, les abattoirs de volailles par exemple, ils viennent pratiquement chercher les migrants pour remplir leurs postes. Hein. Cette action, on comprend. S'il n'y avait pas de migrants, il n'y aurait plus d'entreprises de volailles. Elles existeraient toujours, mais elles seraient en difficulté. Je pense qu'il y a beaucoup de fontenaisiens qui sont déjà dans la misère, qui se battent avec un travail, et qui ont des salaires très, très justes pour vivre. Donc il ne faut pas créer vraiment d'inégalité entre les hommes et les femmes de cette ville. Eh bien, il y a cet appel d'air, je crois que c'est plutôt un appel... d'un abaissement des salaires. Voilà. Et c'est ce que dénonce Mélenchon. Il dit il se peut que les migrants servent au patronat à baisser les salaires. Parce que c'est quand même la course à l'échalote, là. Hein. C'est à celui qui va payer le moins possible. Alors, la difficulté de ces familles-là, quand même, c'est l'intégration. Et l'intégration parce que, pour moi, c'est un problème. Et j'ai suivi... je vais vous dire pourquoi c'est un problème. J'ai suivi donc une députée qui s'appelle Stella Dupont, qui est députée de Maine-et-Loire, et qui a demandé, et je la suis, et je suis d'accord avec elle, qu'on puisse travailler en attendant d'avoir son statut de réfugié. Parce que pour moi, je pense que c'est un problème. Quand on n'a pas son statut, on ne peut pas travailler. Et on ne peut pas travailler, ça veut dire qu'on n'est pas en contact avec la population. Parce que le travail, c'est un vecteur formidable d'intégration. Que ces gens, lorsqu'on les prend en charge, qu'on explique les choses, ils ont tous une volonté d'intégration. Et
généralement, les choses se passent le mieux du monde. On n'a pas encore d'invasion de gens qui vont dicter leur façon de vivre. Et on sait qu'il y a deux choses qui font augmenter la délinquance. La première, c'est la pauvreté. C'est-à-dire que si on ne donne pas de papier, par exemple, aux gens, on dit ben, on ne va pas leur donner de papier parce qu'on n'en veut pas. Sauf qu'on n'arrive pas à les expulser. Donc, c'est des gens qui n'ont aucun revenu. Donc ça, ça provoque de la délinquance, ça c'est certain. Et j'ai discuté, lorsque j'étais président de la CIMAD, plusieurs fois avec le préfet, en disant, paradoxalement, donner des papiers aux gens, c'est une manière de sortir de la délinquance. Avoir en réserve des gens qui sont encore plus précaires que la grande majorité maintenant des travailleurs, eh ben, ça va peut-être être un point d'appui pour encore jouer sur le salaire à la baisse. Face à cette invasion exceptionnelle. Oui, il semblerait que l'on ait retrouvé Eric Dick. Oui, oui, nous vous écoutons. Allô, Eric ? Allô ? Bon, nous avons perdu la ligne. Les trois départements côtiers sont placés sous l'autorité de l'armée et déclarés en état d'urgence. Les militaires et les gendarmes ont reçu l'ordre d'établir un cordon sanitaire le long du rivage. Le président de la République a tenu à réaffirmer l'estime qu'il porte à tous ceux, très nombreux dans l'opinion, qui ont exprimé leur solidarité envers les réfugiés. Fin de citation. Eric, vous êtes toujours avec nous ? Allô, Eric ? Merkel, quand elle a fait venir un million d'immigrés payés avec des bas salaires, elle a fait du zèle à l'Union européenne, mais elle a fragilisé sa propre population. Puisque ça profite à qui ? Ça profite aux actionnaires des grosses entreprises, aux patrons, aux grands patrons. On le sait très bien. Plus il y aura d'immigration, plus on va, nous, abaisser notre niveau de vie. Et on va terminer bas. La politique migratoire, ben elle entre dans le même... C'est la même logique, une logique mondialiste, une logique... voilà, de plus de profits, une logique... C'est pas le peuple qui demande ça. Et le peuple, malheureusement, il n'a plus de choix décisionnel. C'est bien d'accueillir, mais la population de chez nous, il faut aussi penser à elle. Nous sommes nous-mêmes contactés par des entreprises en disant, ben voilà, on cherche des employés, peut-être que dans vos demandeurs d'asile, on pourrait, dans vos migrants, on pourrait nous apporter une réponse en termes de travail. Dans le secteur de l'agroalimentaire, par exemple, c'est flagrant, hein, on voit beaucoup de demandes. Il n'y a pas très longtemps, un gros industriel du nautisme, pareil, a fait les demandes du même type. Vous savez, l'immigration, elle est positive pour l'industriel, hein, pour l'industriel qui veut s'enrichir, mais qui se moque de l'intérêt collectif. C'est incroyable, les entreprises maintenant recherchent beaucoup plus de migrants et ils regardent moins les candidatures de Français qui auraient des exigences salariales, voilà. S'ils ont l'occasion de prendre un migrant qui n'a pas besoin de parler la langue, mais juste d'exécuter certaines tâches, c'est tout bénéfique pour l'entreprise, pour le chef d'entreprise. Ils occupent les emplois que les Français ne veulent pas. On a une entreprise de... conserverie, qui manque cruellement de main-d'œuvre, ils sont obligés de faire venir des étrangers pour le faire. Que la plupart, ils n'ont pas de métier. Ils ne sont pas qualifiés, si d'accord, vous voulez. D'accord, je vois. Ils ne sont pas qualifiés. Ouais. Bon. La plupart, ils travaillent tous dans la volaille. C'est les abattoirs ? Les abattoirs, oui. Ouais. La plupart, hein. D'accord. 80%. Chez Oralis... À Saint-Fulgent, c'est arrivé aussi, qui font de la volaille. Voilà, pour le chef d'entreprise, c'est tout bénéfique, parce que le migrant n'est pas syndiqué, il ne revendique rien, il n'a pas de salaire mirobolant, donc il est vraiment payé au minimum syndical. Voilà. Et pour un Français qui veut travailler, lui, donc il devra déjà se loger, il n'y aura pas d'aide. Ce sera un calcul, comme j'ai dit, il aura du mal
à trouver l'emploi intéressant. Mais la moitié de sa paye dans le loyer, ça lui reste pas beaucoup pour vivre. Moi, je me pose toujours la question. On nous parle sans arrêt des migrants. Oui, il faut accueillir des migrants, il faut accueillir des migrants. Mais pourquoi l'Arabie Saoudite n'en prend pas? Pourquoi le Koweït n'en accepte pas? Pourquoi le Qatar n'en prend pas? Parce que si moi, j'étais musulman pratiquant, à ce moment-là, je préférerais vivre dans un pays musulman. Je me sentirais à l'aise, je me sentirais comme chez moi, je pourrais pratiquer la religion que je veux, et je pourrais dire à ma femme, tu mets la burqa, tu fais comme ça à la maison, il n'y a pas de problème. On peut dire 5%. Quoi? Ou 10%, on peut dire. Mais deux. Ils sont musulmans. Sur les herbiers, là. Non, sur 100 migrants qui vont arriver, par exemple, le pourcentage de musulmans, c'est beaucoup plus. Ah, il y en a 90. Ah, ouais. Oui. Il y en a, on peut dire 95% ou 100% sont musulmans. Il y en a 80% qui sont pratiquants et 20% qui ne pratiquent pas quotidiennement. Et tout. Oui, d'accord. La majorité qui viennent, c'est des musulmans. Il y a de plus en plus d'arrivants, notamment économiques, je dirais, parce qu'il y a pas mal de travail en Vendée. Donc les entreprises cherchent de la main-d'œuvre. Donc il y a des gens qui viennent d'autres régions de France pour venir travailler, dont certains qui sont musulmans. Et aussi, oui, il faut le dire, la population des migrants aussi, qui est de plus en plus importante. Là, je dirais depuis 2 ou 3 ans, c'est flagrant. Et voilà, donc nous, moi en tant que responsable, mon souci, c'est de trouver de la place pour tout le monde, d'où ces travaux d'agrandissement. Donc, et nous, on ne s'occupe pas si c'est des migrants ou autres. Nous, ce qu'on sait, c'est qu'on est passé en 4-5 ans, on a dû doubler à peu près notre population de fidèles, je dirais. Donc, on est passé assez vite de 400 personnes, 300 personnes, à 800 personnes en moyenne les vendredis. Donc voilà, donc ça veut dire ce que ça veut dire, comme vous avez dit. Donc la population s'agrandit, se développe. Et nous, ça nous inquiète un peu dans le sens où il faudra trouver de la place pour les années à venir, parce qu'on sent que vraiment ça se développe, oui. Oui, nous, on a senti cette arrivée par le grand nombre et l'affluence massive lors de la prière du vendredi et des grandes prières comme les prières des fêtes. Et on l'a senti aussi par les sollicitations. Donc on peut dire que la masse des fidèles a presque doublé. Presque, on ne calcule pas, on n'est pas dans les chiffres, mais on peut dire qu'il a presque doublé. Nous avons 70-75% des immigrants africains. Noirs, quoi. Ouais. D'accord. C'est quoi comme communauté? Quel pays, par exemple? C'est des Tchadiens, Maliens, les Camerounais aussi, et Soudanais. D'accord. Ceux qui sont régularisés, qui peuvent travailler, ont un petit logement, et vous connaissez la solidarité africaine, eh bien, ils sont quelquefois 2 ou 3 là-dedans. Ils viennent se loger jusqu'à Pouzauges. Pourquoi? Parce qu'ils demandent du logement social. Et donc, Vendée Logement, nous travaillons avec Vendée Logement. Donc Vendée Logement, les loge là où il peut les loger. Donc on a des gens qui sont là depuis un certain temps sur le territoire, qui travaillent, qui travaillent dans ces abattoirs, qui font des familles. Oui, ça on connaît déjà depuis quelque temps. Il y a eu des entreprises, toujours dans la volaille, là, en Vendée, dans les petits abattoirs, qui embauchaient de manière régulière des intérimaires de chez nous. Et quand c'était à nouveau la saison, parce qu'ils sont un peu plus fortes, l'intérimaire comptait sur retourner son entreprise. Ben non, ils avaient un quota qui était obligé, qui était imposé par l'État. Ils devaient prendre un nombre de migrants, et donc c'était à la place du travail des gens d'ici. Je pense que c'est une richesse parce que c'est des gens, d'abord parce que bon, la natalité dans le nord-est de Bocage n'est peut-être pas catastrophique encore, mais on sait bien qu'on est des populations vieillissantes, hein, et que l'Union européenne c'est 550 millions d'habitants, je crois, et que dans 20 ou 30 ans, si on n'a pas l'apport de migrants, on aura de grosses difficultés. Donc pour moi, c'est une richesse économique, et puis c'est surtout une richesse culturelle. Hein. Plus de 240 000 personnes l'année dernière, multiplié par 4 ans, c'est 1 million tous les 4 ans. Moi, je pense que c'est une richesse que de pouvoir accueillir des migrants. Mais attention, après, il y a une notion de volume.
On ne peut pas, à mon avis, même si on serait tenté de vouloir le faire, accueillir toute la misère du monde. Et on voit bien que ces migrants, que ce soit à Calais, que ce soit à Nantes ou dans d'autres villes où il y a des regroupements importants, ça pose des problèmes. L'Union européenne va régler des migrations sur ordonnées et régulières. Ordonnées, selon quel ordre ? Et régulières, donc ça va être des afflux de migrants que nous, on ne va plus contrôler. Beaucoup de gens de gauche, par exemple, s'aperçoivent qu'effectivement, le futur pour les élections, c'est peut-être le vote musulman. En Vendée, sincèrement, je n'ai pas le sentiment que la masse migratoire soit suffisamment grande pour qu'il y ait un socle électoral fort, quoi. Voilà, c'est mon sentiment. Alors, je peux me tromper. Hein. Les musulmans ne sont pas de gauche. Un bon musulman n'est pas de gauche. Moi, j'ai vécu avec des musulmans, j'ai vécu avec 80% d'immigrés, presque à la moitié de ma vie. Donc, ils disent toujours, les vrais musulmans, ils sont pas, parce que le musulman, il respecte, là-bas, il respecte, il y a la famille, il y a la religion. C'est tout ce que la gauche ne veut pas. Je ne pense pas que ça va diminuer. Hein. Mais de là à dire qu'on est submergé par les migrants, non, je ne pense pas du tout ça. Hein. On s'aperçoit que d'autres événements maintenant vont s'ajouter et amplifier ces mouvements. C'est effectivement les effets climatiques. On va effectivement vers des migrations plus fortes liées au fait que les terres où on peut vivre vont se restreindre. Les problèmes climatiques, les guerres et tout ça ne vont pas sans doute pas améliorer les choses. Mais on n'aura jamais une vague importante. Bon, la Vendée se veut terre d'accueil et s'est toujours voulu terre d'accueil. Et donc, il faudra bien trouver des solutions pour que ces gens puissent trouver leur place sur Terre. D'accord. Et donc, si on ne fait pas jouer la solidarité, si on ne commence pas à réfléchir un peu à la façon dont on va pouvoir traiter ce phénomène, eh bien effectivement on va aller vers des catastrophes ou vers des conflits très importants. Certains départements sont plus impactés que d'autres. On le voit dans le Midi, on le voit dans la Bretagne, on le voit sur Paris, sur la région parisienne, etc. Mais malheureusement, ça va venir en Vendée. Nous avons un État et des préfets qui travaillent main dans la main pour nous amener des migrants. Et je pense qu'ils vont faire un excellent travail dans les années à venir. Maintenant, c'est à nous aussi d'être vigilants. Nous joignons Éric Dick, qui, rappelons-nous, était présent à bord de l'escorteur 324 en 2025 en Méditerranée, lors d'un reportage sur l'arrivée d'une semblable armada, toutefois sans aucune commune mesure par rapport à celle qu'on connaît aujourd'hui. Éric, comment s'était passée cette opération, vous qui l'avez vécue de l'intérieur ? Jihad ! Inna siyahatana fil jihad ! Allô Eric ? Allô ? Il y avait trois officiers, 40 militaires armés. Mais il leur était interdit de blesser et bien sûr de tuer l'envahisseur. Quand ils sont montés à bord du navire de Lorient, Lorient s'appelait-il, la tête de l'armada, la foule des immigrants, environ 2000, a reculé. Elle s'est contentée de regarder. Là, j'ai cru que la partie était gagnée. Mais quand les militaires se sont avancés vers la salle des commandes, et là, la foule s'est resserrée, formant une muraille de chair. Bon, nous avons perdu la ligne. Allô, Eric ? Allô ? Le commandant a fait mettre en joue la foule. Il a fait des sommations d'usage. Dans n'importe quelle langue, c'est quelque chose que l'on comprend, mais la foule n'a pas réagi. C'est l'effet contraire qui s'est produit. Le mur de chair s'est avancé. Les soldats ont résisté. Un coup de poing, de pied, de crosse. Ça, c'est des gens qui ne se battaient pas et qui avançaient. Vous comprenez ? Contre ça, vous ne pouvez rien faire. Ils étaient 2000 à pousser contre 43 à résister. Alors, bref, les militaires par miracle ont réussi à rembarquer sur l'escorteur. Mais il manquait deux hommes, deux matelots. Leurs corps ont été rendus
Eric, vous êtes toujours avec nous? Allô, Eric? Il faut rassurer avant tout. C'est normal que devant un fait nouveau et devant un changement inattendu, les gens ne sont pas préparés, ni prêts à comprendre. Et ce n'est pas toujours d'une mauvaise intention. L'inquiétude, des fois, il est justifié dans le sens où c'est brutal, où ça renvoie des fois à des images ou à des situations négatives, et du coup les gens se demandent et se questionnent et interpellent les politiques et les responsables pour avoir plus d'assurance et plus de clarté. La majorité des militants, qui sont à peu près 500 dans notre mouvement ici en Vendée, sont des gens qui ont vécu soit à l'étranger, il y en a beaucoup qui ont été, par exemple, en fonction dans les ambassades, ou qui ont beaucoup sur Paris ou des grandes villes, Lyon, enfin. Et le problème de l'immigration, ils ne voient pas comme le Vendéen de base, en définitive. Eux, ils savent que ce problème, ils le disent depuis longtemps, si on ne fait rien, on va crever avec eux. C'est vrai que j'ai reçu quelques mails me disant que, enfin, souhaitant qu'on n'accueille pas de migrants chez nous, c'est clair. J'ai même reçu quelques personnes, bon, ça en est expliqué, les gens avec qui j'ai pu discuter ont très bien compris. Par contre, j'ai reçu beaucoup plus de messages de félicitations, y compris Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, qui m'a appelé en direct. Donc, tout début, on a eu une ou deux remarques nous disant « Oui, vous allez nous amener la guerre, vous êtes complètement fous, etc. » Mais bon, très peu. Par contre, M. le maire, lui, a reçu des lettres vraiment incendiaires et un certain nombre de menaces. Et je crois que celui de Bretignolles également. Hein. Les Vendéens, c'est pas des militants... C'est pas des militants, hein, ils gesticulent. Les seuls militants qu'il y a en Vendée, ce sont des Vendéens qui ont fait leur carrière dans l'armée ou dans la police, la gendarmerie ou dans d'autres services d'État. Mais ceux-là sont des militants. Ils reviennent. Mais le Vendéen de base n'est pas militant. Comment ça se fait? Ben écoutez, je me demande s'ils n'avaient pas été trop tapés là-bas pendant les années 90, par là. Hein, enfin, c'est 1700. Donc, vous voulez dire pendant oui, la contre-révolution, oui, 1793. Oui, je crois qu'ils ont été tapés et il en reste quelque chose. Là où les migrants sont accueillis, dans les villes où ils sont accueillis, par les associations, on peut s'apercevoir, nous, sur le terrain, qu'il y a une évolution de cette délinquance. À partir du moment où vous allez avoir des gens issus du Maghreb à certains secteurs, ça va remonter par le Maroc ou l'Espagne, ça va remonter et vous aurez des plots, hein, des marchés de drogue dans certains quartiers, peut-être demain à La Roche. La Roche-sur-Yon devient de plus en plus une ville comme Nantes avec ses excès, ses violences, ses vols, ses dégradations, etc. C'est-à-dire que La Roche-sur-Yon n'est plus la ville que l'on a pu connaître il y a deux décennies. Il y a une évolution, je dirais, parfois en ce qui concerne la délinquance négative, puisque nous avons eu des vagues successives de migrants qui sont arrivés depuis plusieurs années maintenant, et cela a engendré des difficultés pour accomplir nos missions, puisque nous n'avons pas de moyens humains ou législatifs supplémentaires pour faire face à cette vague de migration qui apporte son lot de délinquance. Bien, quand je travaillais à La Roche-sur-Yon dans les années 80, il n'y avait pas de tuniques couvertes, de femmes couvertes de la tête aux pieds, mais aucune personne. Non. Et aujourd'hui, c'est une chose très courante. Et ce qui nous choque, c'est quand il y a la burqa, voilà, ça choque quand même, quelque part. Après, l'islamisation peut se voir aussi dans les quartiers, quartier des Moulins-Liaux, où on peut voir la présence de femmes qui se voilent aussi. Donc,
voilà, moi ça me dérange un peu de pas voir la tête de la personne entièrement. Bon, pour moi c'est un signe de soumission de la femme et on peut pas accepter ça. On est dans un pays laïque, on ne peut pas montrer un signe de foi. Moi j'ai une croix, je l'ai cachée à l'école, voilà, on ne montre pas des signes ostentatoires. Bah, c'est-à-dire que la religion musulmane s'implique dans votre façon de vivre. C'est-à-dire que si vous êtes vraiment un musulman religieux, vous devez porter un certain habit, votre femme doit être voilée, etc. Donc, elle impacte la façon de vivre. Ça complique le système d'intégration. Voilà, c'est comme ça. Je veux dire, un Polonais catholique qui est dans la rue, vous n'allez pas voir la différence avec quelqu'un qui est athée ou n'importe quoi. Donc là, vous avez quelqu'un qui vient s'intégrer soi-disant en France, mais qui va respecter... Alors, le problème, il est là. Est-ce que... La priorité, c'est quoi? C'est la France et la République ou c'est l'islam et la religion? Bon, il suffit de voir sur les territoires où il y a une communauté musulmane forte, comment ça se traduit? Ça se traduit par la mise en place, d'abord c'est physiquement, visuellement, hein, il y a quelque chose de choquant pour les Français, c'est de voir les tenues religieuses dans la rue, en grand nombre. Or, là, il y a un choc de culture, puisque pour nous, Français, la religion reste à la maison, c'est du domaine privé. Or que dans le monde musulman, c'est le contraire, vous sortez de chez vous, vous êtes dans le monde religieux. Mais en tous les cas, un jour, je pense que nous serons sous la coupe d'un gouvernement islamiste, musulman en France, et pourquoi pas avec une charia sur notre territoire. Vous allez voir des gens en tenue religieuse qui vous choqueront. Vous aurez une délinquance de masse, une délinquance qui va progresser petit à petit. Des écoles, des classes qui vont être en difficulté, ça va pas être simple. Ça va pas être simple à gérer tout ça. Et le bien-être que l'on a, cette cohésion sociale qu'on a en Vendée, eh bien, il y a des fractures qui vont se créer. Et on va perdre notre cohésion sociale, on va perdre notre bien-être. Il y a eu, au début de ces arrivées de migrants, un sentiment d'insécurité. Aujourd'hui, on n'est plus dans le sentiment d'insécurité. Il y a réellement de la sécurité. Bon, ces gens, effectivement, le soir, vont trouver des endroits un peu plus propices pour pouvoir être au moins dans un minimum de sécurité. Mais lorsqu'ils sont nombreux, ils se retrouvent en concurrence. Et donc, on peut retrouver une certaine insécurité. Plusieurs sont venus nous voir en disant « Mais on a peur de dormir dans la rue maintenant. Il faut absolument nous trouver quelque chose. » On parle de la Roche-sur-Yon. On parle de la Roche-sur-Yon. Je ne dis pas qu'il y a pas de... Il y a des problèmes de délinquance, ça c'est sûr. La question c'est quoi la solution? Pour moi la solution c'est ça, c'est de permettre aux gens de s'assumer financièrement et de créer du lien pour... Parce qu'un gamin qui fait une bêtise, si on le connaît bien et qu'on le croise dans la rue, qu'on lui dit bah, arrête tes bêtises, il va être embêté parce qu'on le connaît. Et c'est le lien social qui fait diminuer la délinquance. Il s'avère qu'il y a eu des soucis avec les migrants, bien entendu, on a eu des soucis. La presse en a fait état. Ce ne sont pas des articles montés de toutes pièces. Je fais confiance aux journalistes qui ont fait l'enquête. Il y a eu des problèmes. Il y a eu des agressions, des agressions physiques et verbales. Où on a quelques commerçantes, jeunes femmes, bien entendu, qui ont eu quelques déboires avec ces gens-là. Maintenant, il est évident que la plupart sont de confession musulmane. La plupart de ces réfugiés ou de ces migrants occupent l'espace public et il n'y a qu'à le voir à ce jour, place Napoléon ou autre, puisque ce sont des gens forcément qui sont sans papier et donc ne veulent pas ou ne peuvent pas exercer un emploi. Et forcément, ça apporte son lot quotidien de mauvaises surprises. Mais on aura toujours du mal à faire vivre ensemble des cultures différentes. Ça ne veut pas dire qu'elles ne peuvent pas vivre côte à côte. Voilà, et je crois qu'il faut un peu laisser les choses se faire. À Chalon, on a pas mal de gens qui sont venus de l'extérieur, qui s'intègrent très très bien, et d'autres ont plus de mal, mais ça c'est la nature humaine. Mais surtout éviter... les nombres importants, les masses et les regroupements, quoi. Ça,
c'est compliqué à gérer derrière, c'est même parfois ingérable. Effectivement, s'il y a beaucoup de gens qui sont de cultes musulmans qui arrivent sur un territoire, automatiquement, il va y avoir une marque sur un territoire. Alors, moi, si la marque n'est pas radicale, si la marque ne nous amène pas aux événements que nous avons connus sur notre territoire. Mais il y a une difficulté, plus que la religion, c'est la langue. Autant l'immigration maghrébine, le français, bon, il y a les restes de la colonisation qui est là. Mais là, maintenant, même pour nous, là, par exemple à la mosquée, les migrants, c'est le problème de la langue. Voilà. Ils ne parlent pas français. D'autre part, leur langue, ils la gardent. C'est un frein aussi à l'intégration. Oui, mais vous l'avez vu à La Roche-sur-Yon, oui. Vous, personnellement. Oui, bien sûr. Oui. Donc, quand vous vous déplacez dans La Roche-sur-Yon, c'est quelque chose quand même qui peut vous heurter. Oui, mais ça, quelque part, on se dit, on est où là? On est en France ou... On n'a jamais su intégrer ces personnes. Alors, il y a deux raisons. Il y a la raison diplomatique qui dit, c'est parce que ces gens-là ont une culture un peu différente. Et puis, il y a la raison aussi religieuse. C'est-à-dire que c'est plus facile d'intégrer des gens qui sont de Pologne, qui sont de religion catholique, ou des Italiens, ou des Portugais, que d'intégrer des gens qui viennent d'Algérie avec une religion musulmane. Et personne n'ose, enfin, il y a quelques personnes qui le disent, mais très peu dans la politique osent appeler un chat un chat. Et donc l'intégration se fait difficilement à cause en partie de la religion. Moi, un migrant, c'est un migrant, hein, qu'il soit musulman, chrétien, bouddhiste, ou comme. C'est pas. Pour moi, ça importe peu. Ce qu'on lui demande, enfin, ce qu'on espère, c'est qu'il respecte les lois du pays dans lequel il est accueilli. Après, sa confession, c'est quelque chose. Eric, vous êtes toujours avec nous? Allô, Eric? Le 19 septembre 2025, la France est dans le chaos. Elle est fractionnée, divisée, partitionnée. Bon nombre de régions sont sous autorité islamique. Et avec toutes les conséquences qui en découlent. La Vendée a pu rester en zone dite libre jusqu'à maintenant. Mais à quel prix? Si l'armada qui se présente en Atlantique s'échoue sur la côte vendéenne, nous passerons en zone islamique. Là, avec les compliments des élus locaux et des pouvoirs publics. Par contre, là où on ressent le côté religion, c'est que si on invite à manger, il ne mange pas n'importe quoi. Ou alors, si on veut lui apporter des choses pour lui rendre service, c'est très difficile. C'est-à-dire des légumes du jardin, ça va, mais alors sinon, des œufs, il n'en consomme pas, de la volaille, il n'en consomme pas. Mais pourquoi? Je ne sais pas. C'est peut-être un végétarien. Je sais pas. Parce que dans leur religion, la volaille n'est pas interdite. Les œufs non, mais ben oui, je sais pas. Est-ce que c'est la volaille qu'elle soit tuée d'une certaine manière, parce que par rapport à leur religion, c'est peut-être ça aussi. Bon, voilà, j'ai emmené ma voisine à la banque alimentaire à Mouzeuil-Saint-Martin, une petite commune près de chez moi, et elle a reçu en viande du blanc de poulet halal. Et c'était la seule viande qu'on lui a proposée. Alors, c'est pas parce qu'elle est dans le besoin financier qu'on doit lui imposer des produits qui sont à destination de personnes musulmanes. Voilà, et c'est surprenant qu'on lui impose ceci, ce produit, parce qu'elle aime le porc, elle est française, elle est baptisée. Bon, le côté halal est devenu très important. Voilà. Et pourquoi d'après vous? Pourquoi d'après moi? Parce qu'on s'est peut-être adapté, nous, à des civilisations, à des coutumes, à des mœurs qui nous venaient de l'extérieur. C'est qu'on a fait une adaptation nous-mêmes. D'accord. Je peux m'installer faire du halal, oui. Sauf que ma viande, à la base, doit être certifiée halal. Halal, voilà. Vous ne pouvez pas dire aux gens, je vends de la viande halal, alors que votre viande n'est pas certifiée. D'accord. Et comment vous pouvez être sûr qu'elle soit certifiée? Il faut qu'il y ait un organisme qui la certifie. D'accord. Et quel que soit l'organisme. En France, il y a... À l'abattoir, oui. En France, il y en a trois, les trois que vous avez énumérés. Donc un abattoir, voilà. Quand il fait du halal, donc il sacrifie comme dans le rituel. Voilà. Il y a un sacrificateur, il y a, oui, un musulman qui doit tuer cet animal. Voilà. D'accord. L'abattage halal nécessite que l'animal ne soit pas étourdi, puisque en islam, on considère qu'un animal qui a été étourdi est mort, ce qui contredit les connaissances
scientifique, puisqu'on peut très bien être dans le coma, hein, bien sûr, après un traumatisme crânien, et ne pas être mort. C'est ce qui est, c'est le cas de ces animaux. Donc la saignée est pratiquée par égorgement large qui va d'une oreille à l'autre et qui sectionne la trachée et l'œsophage avec des régurgitations. Et donc des conséquences sanitaires qui sont incalculables et qui sont contraires à tous les principes de précaution. Avec des cas de plus en plus nombreux de SHU, c'est-à-dire syndrome hémolytique urémique, sur des jeunes enfants. Dernièrement, à Saintes, il y a eu un cas dramatique. Et notamment donc, dans les cantines scolaires, bien entendu, ça je mets en garde les mamans qui devraient exiger que dans les cantines, on ne serve pas de la viande halal à leurs enfants, parce qu'on a un très grand risque. Pourquoi Fleury Michon, par exemple, parce que c'est votre entreprise, oui, sur votre territoire, a maintenant un très fort développement, une très forte démarche sur la production halal? Bah parce que Fleury Michon ne produit pas pour le territoire vendéen. Fleury Michon produit pour toute la France et il produit pour des grosses agglomérations, Paris et autres, sur lesquelles donc il y a une plus forte population qui serait demandeuse de ces produits, non? La vice-présidente du Sénat, République En Marche, Marisa Chiari, disait en 2017, lors d'une interview sur CNews, que le halal drainait des sommes considérables qui mériterait d'être tracé. Et nous ne demandons pas mieux à Vigilance Halal, évidemment, de tracer ces sommes, mais nous n'en avons pas les possibilités, seul l'État peut le faire. Ouais, nous, si on veut cet argent-là, il faut que nous, l'association, décide de créer un organisme certificateur. Par exemple, sur la Vendée, il y a pas mal d'abattoirs qui font du halal. Mais... et leur dire, bon, écoutez, à partir de maintenant, vous n'avez pas besoin ni de là, il y a du local. Oui, alors, l'histoire de la Micaline à laquelle vous êtes confronté, est emblématique justement de cet autisme, de cet obscurcissement intellectuel dont sont victimes nombre de nos concitoyens et notamment d'entrepreneurs. Je voudrais un sandwich poulet. Est-ce qu'ils sont halal, s'il vous plaît? D'accord, donc ils sont tous halal en fin de compte. Ben, vous m'en donnez un. Hein. En fait, il n'y a pas trop le choix. Si, il n'y a pas trop le choix. Ah ben après, c'est pas nous qu'on choisit, c'est la centrale qui choisit quel produit et... Ah oui, c'est la centrale qui vous envoie que du halal ou pas, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais. Alors ceux qui ne veulent pas manger halal, comment ça marche? J'ai aucune idée, j'en sais rien du tout. D'accord. La fraude, c'est que les allégations ne correspondent pas aux produits. Vous vendez un produit qui a été rituellement abattu ou préparé et vous le cachez parce que vous savez pertinemment que les gens ne vont pas l'acheter. Donc tout en sachant que cacher une information peut augmenter les ventes, c'est ça la fraude. Et l'amicaline a cédé évidemment à ce mirage, bien entendu, en mettant du halal, sans le dire d'ailleurs, avec une attitude qui est assez faux cul, hein, il faut utiliser les termes qui conviennent, hein, même assez faux cul, c'est-à-dire j'y vais sans y aller tout en y allant. Je pense qu'il a fallu que cette vidéo sorte pour faire peut-être pour être déclencheur dans la tête de certaines personnes, surtout en pays maraîchin, chez nous, et pour que les Vendéens prennent conscience de ce qui se passe. Chaque fois qu'une entreprise, qu'une société commercial met le label halal sur ses produits, chaque fois elle a versé une dîme donc à des organisations musulmanes. Ce qui est abattu rituellement doit être vendu avec l'étiquette abattu rituellement. On est bien d'accord. On est bien d'accord. On est en train de tout accepter et j'ai l'habitude d'utiliser une expression un petit peu humoristique. On est en train de mettre la charia avant les bœufs. Ça me dérange un peu que dans le milieu de l'entreprise, on se soumette à leurs pratiques, alors que les catholiques ont fait toujours des efforts pour se plier aux règles d'un pays laïque. Donc,
il faut faire attention à ne pas se soumettre à la religion musulmane. Il y a un grand écart là, il y a un manque de cohésion sociale, il y a une fracture, il y a des fractures qui ont été mises en place involontairement ou volontairement par nos gouvernants successifs. Et puis bah, maintenant, il faut vivre avec. Mais ceux qui vivent avec, c'est les gens de tous les jours. C'est les gens qui sont sur le terrain, là. C'est dans les peu communes difficiles, etc. Les gens sont complètement abasourdis de ce qui se passe, d'ailleurs. Abasourdis. Ces flux migratoires vont continuer à s'accentuer. Ça arrive toutes les semaines de Nantes, par exemple, qui sont envoyés par des associations de Nantes qui elles-mêmes sont, à mon avis, débordées et les envoient dans d'autres associations comme La Roche-sur-Yon. À court terme, je pense que ça va continuer à se développer de manière régulière. À long terme, je pense que malheureusement, on ne pourra pas subvenir à toutes les conséquences qu'apporterait cette vague de migration. Le mandat de Macron va accentuer les choses. Malheureusement, je suis assez inquiet. Il a l'air de faire d'immigration une richesse. Et ça m'inquiète un peu, même si la France reste une terre d'accueil. À l'heure de la mondialisation, les migrations sont facteurs de prospérité, d'innovation et de développement durable. Donc voilà, M. Macron a signé ce traité sans en parler aux Français, sans qu'il y ait discussion, parce que c'est demandé par l'Union européenne. Donc le grand remplacement, c'est comme si on était, c'est comme s'il y avait un projet. Le grand remplacement se base sur l'idée qu'il y a un corps invisible ou dissimulé qui travaille pour remplacer une population par une autre. On est carrément dans un fantasme où un jour on va se réveiller et qu'il y aura plus de blancs aux yeux bleus et de culture chrétienne en France. Il semblerait que l'on ait retrouvé Eric Dick. Oui, oui, nous vous écoutons. Si, en 44, il n'y avait pas eu une poignée de résistants avec De Gaulle, Churchill et les autres. S'il n'y avait pas eu cette volonté de survie, cette volonté de lutte, où en seriez-nous aujourd'hui? Où en seriez-vous aujourd'hui? Nous sommes en 44 aujourd'hui. Mais c'est sérieux. C'est très sérieux. Il est moins 5, mes chers compatriotes. Il est moins 5. La France est en train de s'écrouler. L'Europe est en train de s'effondrer. Mais bon Dieu, mais réveillez-vous! Oh mon Dieu. Je me sens plus la force d'en parler. C'est trop tard. L'irrémédiable est accompli. La France a cédé. Elle s'est vendue. Maintenant, elle est perdue. Allô Eric? Allô? Bon, nous avons perdu la ligne. Vous m'entendez? Encore, peut-être, vous m'entendez? L'un des deux matelots qui fut tué et balancé par-dessus bord de l'Orient en 2025. Eh bien, l'un des deux matelots s'appelait Tybalt. C'était mon fils. Thank you.